Selon les vœux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille Amoris Laetitia. À cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Jésus a été enfant et a grandi à Nazareth, dans une famille, sa famille. Il est ainsi proche de nous, à sa place d'enfant. Cette scène est un appel à se réjouir d'être ensemble, chacun à sa place. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. En haut du médaillon, une main dans un halo de lumière bleue évoque le Père des cieux. Il s'agit visiblement d'une main droite, traditionnellement la main créatrice qui fait le bien. Elle est dirigée vers Marie et Jésus et exprime le mystère profond de Jésus, une vie d'échange d'amour avec son Père. De gauche à droite, Marie et Joseph tiennent la main de l'enfant Jésus. C'est un geste rassurant et très humain, qui rappelle celui des parents soutenant les premiers pas de leur tout-petit. Or, la figure et la taille de Jésus suggèrent qu'on a plutôt affaire à un jeune adolescent. Peut-être que la Sainte Famille revient tout juste de Jérusalem où Jésus est allé enseigner aux docteurs de la loi dans le temple. En regardant ses pieds, on s'aperçoit qu'ils sont décalés l'un par rapport à l'autre, comme s'il était en train de marcher. Jésus semble guider et faire avancer ses parents. Le pied droit de Joseph semble d'ailleurs suivre les pas de Jésus, entraîné par son mouvement. Ceci nous rappelle que les enfants ne sont pas une propriété de la famille, mais qu'ils ont devant eux leur propre chemin de vie. Les enfants sont des maîtres de confiance dans la famille. L'arrière-plan suggère la terre des hommes à Nazareth. C'est le mystère caché de Nazareth, la vie de famille toute simple qui se déroule au fil des jours, dans le quotidien d'un foyer.